Mais que fait ce chat ici? Une éclipse solaire aura lieu demain. Ah, merci, Jerry. Mais qu'est-ce qui lui prend? Vous connaissez ce matou, Holmes? Pour Monsieur Sherlock Holmes, urgent. À votre avis, qu'est-ce donc? Une nouvelle affaire, mon cher. Alors êtes-vous libre dans les prochaines heures? Je n'ai rien prévu. Pourquoi? Je souhaiterais que vous veniez avec moi dans un centre musical du nom de Bruce Nigel. Mais il se trouve dans un coin mal famé de la ville. Que devons-nous aller faire là-bas? Nous en saurons plus quand nous serons sur place. Quant à vous deux, vous allez devoir apprendre à vous supporter pour le bien de cette enquête. Salon de coiffure et de remise en forme. Tous les autres, ça inclut aussi les matous et les souris. Messieurs les journalistes, le mythe des petits hommes verts ne sera bientôt plus qu'une vaste plaisanterie. Extraterrestres, des vrais extraterrestres! Bonjour! Bienvenue à vous deux sur la Terre! Nous espérons que vous êtes venus en paix!
Et une petite minute, ce sont pas des extraterrestres. Mais vous avez raison. C'est un chat. Et une petite souris. Contrôle de la machine de massage. Cire chaude. Rends-toi Dorothée. Rends-toi Dorothée. La bonne nouvelle, c'est qu'elle semble vous avoir oublié tous les deux. Oups. Sans oublier Tom et Jerry. J'ai parlé trop vite. On dirait qu'elle a la rancune plutôt tenace. Oh. De la fusée dès que vous en donnerez l'ordre. J'adore ce passage. Vous avez l'autorisation de larguer le premier étage. Ça doit faire mal. Attends, je vais t'aider. Oh, oh. Tiens,
tiens, je reconnais le vieux rafio déglingué de mon imbécile de frère Ron le Rouge. Ah, donc la carte au trésor se trouve sur son bateau, c'est ça? Oh, dans ce cas, il me semble normal de l'accueillir selon les coutumes ancestrales de notre clan. Voilà, ça devrait empêcher le mât de tomber à nouveau cette fois, hein? Donne-moi vite ces souliers, ou ton sale cabot finira dans la rivière. Non, je vous en prie, prenez-les, je vous les donne. Voilà une enfant bien intelligente. J'étais certaine que tu écouterais la voix de la raison. C'est vrai, j'avais oublié. Ces souliers magiques sont enchantés. Impossible de les retirer tant que tu es en vie. Cependant, ce n'est pas ce qui me préoccupe, mais la façon dont je vais m'y prendre. Ce genre de travail nécessite un certain boîté car cela fait appel à des sorts compliqués. Sauve-toi, Toto, hein? Cours! Allez, rattrape ce chien! Regarde ce sablier magique. Il symbolise le temps qu'il te reste à vivre. Et malheureusement, ça ne représente pas grand-chose pour toi. Mais pour l'heure, je vais m'occuper de Jerry. Tom, Jerry! Sire! Comment oses-tu interrompre le royal festin? Toutes mes excuses, sire, mais un géant a réussi à s'introduire dans l'enceinte de la cité. C'est une plaisanterie ou quoi? Les géants n'existent pas, voyons. Un géant! À savoir un chat et une souris. Oh, mais j'ignorais que les animaux étaient admis dans cette grande compétition. Qui a bien pu te donner ton permis de conduire, hein? Allez, je donne ma langue au chat. Au chat. Qu'avez-vous à dire à nos téléspectateurs qui vont regarder notre émission? Oh, suis-je bête? Ce ne sont que des animaux, ils n'ont pas l'usage de la parole. Eh oui, mais apparemment, ils ont appris à piloter. Tenez, regardez cette minuscule voiture à la taille d'une souris.
Oh, c'est trop chou, j'adore. Est-ce que c'est un moteur électrique que tu utilises ou un moteur avec des cylindres à trous? C'est trop drôle. Oh, je me demande à quoi peut bien servir ce bouton. Tous, tous. Bon, eh bien, tous les concurrents sont prêts. Nous allons donc pouvoir bientôt débuter la course. Oui, nous espérons que vous serez nombreux à regarder l'arrivée dans la ville de Mexico. Hein? Oh, je crois que je viens de voir quelqu'un. Oh, c'est vrai? Oui, dans cette direction. Yeah. Yeah. Revenez, j'ai une récompense à toucher, moi! Je vous tiens. Allez, tendez les mains que je vous passe les manettes. Pour une fois, tu brilles. Ah, toi, ça va, hein? D'emblée. Car devant vous se dresse le gardien du trésor que contenait mon vieux galion. Ouais. Hein? C'était le seul modèle que j'avais de disponible à bord de mon navire. Vous n'avez quand même pas cru que j'allais vous donner mon trésor comme ça, non? C'est l'heure des adieux, crétin! Ah ça, mais qu'est-ce qu'il? Ce satané Matou s'est arrêté juste après avoir franchi le pont. Et il vient de sortir aussi. Là, j'ai le sentiment qu'un combat est en train de se préparer. La morale est sauve. Le mauvais tour du chat s'est retourné contre lui. Mais, comme on dit, c'est les prix qu'il croyait prendre. Et le plus drôle, c'est que cette rivière est remplie de piranhas mangeurs de Matou. Toto! Attendez-nous, je vais les ramener. Mais le ballon est déjà sur le point de s'envoler. Faites vite, sinon je risque de décoller sans vous et vous serez coincés ici. Qu'est-ce que vous faites? Le magicien est sur le point de partir. Oh non! Attendez-nous! Revenez! Ne partez pas sans nous! Il faut que nous rentrions! Je suis désolé, je ne peux pas revenir. J'ignore comment on manœuvre cet engin volant. Au revoir, prenez soin de vous. Au revoir! Revenez-nous vite! Nous ne pourrons plus jamais retourner au Kansas. Au revoir, les amis! Tu n'as qu'à rester avec nous. Ça nous ferait réellement plaisir. Regardez, voilà quelqu'un qui pourra vous renvoyer chez vous. Glinda, pouvez-vous nous aider à rentrer? S'il vous plaît, je vous en prie. Mon enfant, tu n'as pas besoin de mon aide pour ça. Durant toute cette aventure, tu avais le pouvoir de retourner au Kansas. Mais comment? Grâce au soulier en rubis, tu as la possibilité de rentrer chez toi en moins de 2 secondes. Avec Tom, Jerry et Toto, on peut rentrer tous les 3? Oui, avec Tom, Jerry et ce brave Toto. Oh.
Tout ce que tu as à faire, c'est frapper tes talons 3 fois, tout en te répétant à toi-même, aucun endroit ne vaut son chez-soi. 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 Vous devriez savoir que je ne suis pas du genre à abandonner. Yeah! Regarde, Butch. Je te parie que ces chats-là ont volé les diamants. Je vous ordonne d'en dessous tout de suite sur le plancher des vaches pour que je puisse vous arrêter à loisir. Ça se termine toujours comme ça depuis qu'on est tout petit. Tom, Jerry, oh shit.